Futur infirmier, future infirmière, dans cette nouvelle vidéo, je vais te dire ce que personne ne t'a jamais dit sur l'IFSI. C'est parti, let's go! Yes, alors dans cette vidéo, 5 choses que l'on ne t'a jamais dit sur la vie à l'IFSI, ça va te permettre de te préparer en cette rentrée qui va débuter tout de suite. La première chose, c'est l'intensité des cours. J'espère qu'on t'a pas dit que c'était une promenade de santé parce que l'IFSI, clairement, c'est pas le cas. Des cours intenses, 1 milliard d'informations à assimiler en un temps hyper réduit. Franchement, ce qu'on te dit pas clairement, c'est que tu vas sacrifier des soirées, des week-ends, des après-midi, tout autant libre, tu risques d'en sacrifier une bonne partie, d'arrêter un peu les loisirs que tu aimais, surtout quand tu vas être dans le rush des partiels. Pour faire face à ça, puisque c'est pas ce que je conseille hein, d'être à fond dans les études, de ne penser qu'à ça, de pas prendre du temps pour soi et autres, vous le verrez dans les autres vidéos de la chaîne, c'est pas ce que je conseille. Pour faire face à ça, faire face à l'intensité des cours, ne pas se laisser submerger par la masse, l'intensité, organisez-vous dès votre rentrée, dès le premier semestre. Profitez à chaque fois des vacances pour vous réorganiser, mais vraiment, lissez tout le travail que vous avez à faire sur le temps. Ne remettez pas à la dernière minute parce que sinon, vous allez être dans la mouise. Deuxième chose que l'on ne te dira pas, c'est que, bien évidemment, les stages, c'est émotionnellement compliqué. C'est la partie cruciale de la formation et c'est pas la plus simple. On sait que les cours, c'est complexe, c'est dense, je viens de le dire, intense, mais les stages également. On est confronté en réalité à pas mal de situations émotionnellement chargées, compliquées, je sais pas comment on peut le dire, tu vois ce que je veux dire, hein. Et ce qu'on te dit pas, c'est que tu peux très facilement te sentir dépassé par les situations que tu vas vivre, ça arrive chaque année à beaucoup d'étudiants, et également que tu peux très facilement être émotionnellement touché. Cette distance soignant-soigné, elle est très dure à mettre en place, surtout quand on est étudiant infirmier ou qu'on est jeune diplômé. Ça vient vraiment avec le temps, mais il faut vraiment en prendre conscience. Ça, vous pouvez en parler de ce que vous ressentez à votre entourage, aux autres étudiants, bien évidemment, de votre promo, vos amis, vos tuteurs et vos collègues, mais ne gardez pas toutes les émotions que vous ressentez pour vous, au risque de craquer rapidement. La troisième chose qu'on ne vous dit pas, c'est que l'IFSI, c'est une aventure humaine. La solidarité entre les étudiants y est vraiment présente, hein, que ce soit pour réviser, pour faire des soirées, etc. Les liens que vous allez tisser avec ces personnes durant les 3 années vont être relativement précieux, hein. Vous allez avoir les mêmes camarades pendant 3 années, mine de rien, surtout sur les dernières études, à moins que vous fassiez une spécialisation derrière, mais pour le moment, en tout cas, ça paraît être les études supérieures et la fin. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que eh bien, ces amitiés, elles vont pouvoir être votre bouée de sauvetage dans les moments difficiles. C'est important vraiment de se créer un petit groupe, de pouvoir partager, de se retrouver, que ce soit pour des moments de détente ou que ce soit pour des moments de révision. C'est toujours mieux que de rester seul dans son coin. Donc, n'hésitez pas à vous entraider, à être proactif hein, dans le fait de monter un groupe d'entraide, entre guillemets. Partagez vos notes, vos révisions en groupe, etc. etc. Bref, la solidarité, c'est quelque chose qui existe et qui est très importante à l'IFSI. En 4, l'importance de la pratique. Puisqu'à l'IFSI, on va vous rabâcher que la théorie est essentielle, mais la pratique l'est tout autant. Les gestes techniques doivent vraiment être maîtrisés à la perfection pour la sécurité des patients. Ça, c'est la réalité. Et donc, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous allez devoir pratiquer, pratiquer et pratiquer encore et encore, même en dehors de vos heures de cours. Sur Internet, on retrouve des choses pour pouvoir pratiquer aux injections et autres. Donc franchement, ça s'améliore, c'est pas mal. Utilisez vraiment les ressources à votre disposition. Vous allez retrouver des mannequins de simulation que on peut vous prêter, sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner à la pratique. Et en stage, surtout, demandez à pratiquer un maximum sur ces 3 années, c'est hyper important.
On parle très peu de la vie scolaire à l'IFSI en cinquième point. L'IFSI, c'est pas que travail, révision, travail, révision, travail, révision partielle. C'est également de nombreuses activités, que ce soit des soirées ou des événements qui sont généralement organisés par votre BDE, hein, le bureau des étudiants, organisés aussi parfois par d'autres étudiants dans d'autres cadres ou ceux qui connaissent tout simplement à l'extérieur des professionnels pour organiser des activités. Ces moments, ils vont être essentiels à la fois dans la cohésion du groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également pour décompresser, pour vous créer des souvenirs autour de vos études qui sont autres que le travail, le travail, le travail. Donc surtout, participez-y, même si vous avez tout juste le temps d'y aller, c'est hyper important. Vraiment, ça vous aidera. On en garde toujours des très bons souvenirs et une bonne expérience. Voilà, je voulais vous parler vraiment de la vie à l'IFSI, ce dont on parle très rarement, qui est riche, intense, mais aussi pleine de défis. Mais c'est vraiment une très bonne expérience a posteriori que l'on garde de l'IFSI lorsqu'on est plein dans sa carrière. On y repense assez souvent. Gardez surtout à l'esprit durant ces 3 années de formation de pourquoi vous avez choisi cette voie. Profitez de chaque moment. Vous êtes là pour apprendre, mais également pour profiter, entre guillemets, des études. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, un like. Dites-moi justement en commentaire, vous, qu'est-ce qu'on ne dit pas souvent sur l'IFSI. Ça m'intéresse également d'avoir vos retours et vos points qu'on pourrait partager dans une prochaine vidéo. On se retrouve, nous, très vite pour une nouvelle vidéo de conseils. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.